Bonjour à tous, bienvenue sur Kulture Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play découverte de Zookeeper. Le jeu est disponible sur Steam, il est en français, jouable clavier et souris. J'adore les jeux de zoo. Celui-là j'ai craqué, je me le suis offert pour mon anniversaire. Bon, il était en promo donc ça valait vraiment le coup et là il est vraiment pas cher. Du coup, on va les tester parce que graphiquement je trouve ça très original et j'ai envie de découvrir, donc on va tester ça ensemble. L'un de nos plus petits zoos, idéal pour les débutants. La légende veut qu'il y ait des dépôts de sel cachés dans les roches environnantes. Lorsque tu entreras dans ce zoo, tu sentiras une brise fraîche et entendras une bouffée d'air passer dans les crevasses rocheuses. Ok. Sinon, on a quoi? Pays des stages, Côte du marteau, Vallée de la créativité, Arène des vainqueurs, Dôme cosmique, Coin d'azur, Terrier du lapin. Ben, on y va, hein. Zookeeper, journal intime. C'est vraiment incroyable. Avant-hier, ils ont examiné mon CV. Hier, ils ont testé mon amour pour les animaux au détecteur de mensonges. Aujourd'hui, je commence ma formation. Ce sont les prochaines heures qui détermineront si j'aurai ou non la chance de devenir le plus grand gardien de zoo du monde. Je dois faire de mon mieux. Nous voilà donc arrivés. On va dézoomer au max. Il est temps de commencer notre aventure. Tu trouveras ici les tâches et conseils qui t'aideront à devenir un véritable gardien de zoo. Cliquez pour continuer. Utilise mon quai, ça c'est comment avancer. Nickel. Alors, on va le faire. Hop. Sinon, appuie sur la molette de la souris et déplace la souris. Ok. Compléter. Utilise les touches Q et E par défaut. Hop. Ou le clic droit de la souris. Comme ceci. Ok. Utilise la molette de ta souris pour faire un zoom avant et arrière. On va tout faire, hein, parce que... Tutoriel. Dans la prochaine étape, nous devrons construire quelque chose. Passer en mode créatif. Ok, donc c'est ici. Je vais me décaler, voilà. Ça c'est fait. Alors, on va faire un enclos, cool. Commençons par l'habitat d'animaux. Est-ce que je dois coller comme ça? Non. Je vais l'éloigner, je ne sais pas s'il y a une porte, quelque chose à mettre en place. Passage de base. Permet aux membres du personnel d'accéder à l'état des habitats sans avoir à sauter par-dessus la clôture. Une merveille d'ingénierie. Quoi? Un portail ferait la même chose en moins cher? Vas-y, on va réfléchir. Ok, pour l'instant, je ne vois pas trop comment ça leur permet d'y aller. Ah, moi qui se tapais dedans. À voir. Tu peux ajouter de nouvelles colonnes de clôture en cliquant sur les murs. Essaye. Non, non, mais pas ça. Ah oui. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais... Plus la surface couverte est grande, plus le coût des clôtures est élevé. Tu peux aussi voir le coût actuel sur le décompte en bas à gauche. Fais glisser le coin de la clôture. Ok. C'est fini ou pas? Non, toujours pas. Appuie sur l'un des poteaux de... avec le bouton gauche. Ben, c'est ce que j'ai fait. Ok. Il est temps de s'assurer que les visiteurs peuvent voir à l'intérieur de l'habitat de près. Ajoute un nouveau segment de route. Ok. Ah, on sort du mode créatif. Nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Il est temps de sortir du mode créatif en confirmant les changements. C'est fait. Oh! Grâce à ton expérience, tu atteins le niveau suivant pour lequel tu as reçu des badges. Utilise-les pour débloquer l'accès à une nouvelle espèce. Oh, le petit lémurien, il est trop chou. Et après, c'est quoi? Un employé, peut-être. Ça, c'est fait. Alors, on va aller chercher. Cool. J'aime pas mettre qu'un animal. Pardon. Va un peu vite. Alors, tu peux passer la souris sur un animal pour savoir comment il se sent, ce dont il a besoin, et même ce que tu peux acheter exactement pour qu'il soit plus heureux. Alors là, du coup, pour l'instant, à part un petit peu faim, sinon c'est le terrain de décoration à la population qui ne lui conviennent pas. Ok. Niveau supérieur. Cool. Alors là, c'est quoi? Maintenant, en ayant quelqu'un qui veut travailler, nous pouvons l'embaucher et fournir les animaux aux soins nécessaires. Aux animaux les soins nécessaires, pas l'inverse. Voulez-vous? Oui. Elle est là. Payée. On va faire ça, on verra bien. Tu as reçu une notification. Bonjour, je vais travailler pour toi à partir d'aujourd'hui. Il est temps de prendre soin des animaux, faites de ton mieux. Alors, c'est quoi ça? Je l'ai déjà payé. Voilà. Je l'ai fait trop tôt. C'était pas prévu au moment-là dans le tuto. Maintenant que nous sommes assurés que notre salarié est correctement payé, il est temps d'apprendre à gérer notre personnel. Alors, clic droit ici. On va lui demander de donner à manger. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors là, je peux changer le temps, ok. Sauf qu'elle fait... Ah si, j'ai dit, elle fait rien. Si, si, elle est là. Voilà. Tu peux aussi commander quelque chose à faire pour l'ensemble de l'habitat. Clique sur la clôture. Alors, on peut faire quoi? Tous les guérir, tous les laver, tous les divertir. Ah ben, on va les divertir. J'adore. Je trouve ça sympa visuellement. Bon, c'est pas du Planet Zoo, ça c'est clair, mais c'est très, très sympa, j'aime bien. Tu peux avoir un aperçu rapide de l'état de tous tes animaux. Donc là, on voit mon limurien. 96, il est... Alors ça, je sais pas, ça correspond... Ouais, je pense. Hein. Clic droit. Je suis censée faire quoi, là? Avec l'expérience, ces employés vont finir par monter en grade. Ok, alors attendez. Hop, on sort de là. Clique sur les compétences. Alors là, on a quoi? Il faut juste que je fasse déverrouiller, en fait. Ok. Le coût de l'employé journalier est plus faible. Nickel. Ah bon, on lui donne un bonus. Alors, lorsque tes employés sont fatigués, tu peux immédiatement augmenter leur énergie en leur donnant une prime unique. Pour ce faire, appuie sur la touche bonus du salarié. Alors moi, quand je suis fatiguée, on ne me donne pas de sous au travail. Hein. Je veux aller travailler, je te donne ici, dans ce petit zoo. Tu as reçu un avertissement. Vérifie l'onglet approprié du prompteur pour la lire. Cet animal ne se sent pas bien dans ces conditions. Donc localisé, on est là. Ok, je peux fermer. Tu as reçu... Mais c'est fait. Alors, on va repartir en mode créatif du coup, c'est ça? Alors, on a dit qu'il lui manquait de l'herbe et des arbres. Alors ça, par contre, c'est pas très pratique. C'est moi qui ne sais pas m'en servir, mais... Quand je descends mon curseur sur les icônes, ça me fait bouger. Ça me fait bouger sur la carte. On va lui mettre de l'herbe. Voilà. Alors, un zoo décoré aide vos animaux à se sentir à l'aise. Achète une décoration. Tu peux aussi appuyer sur le bouton droit de la souris pour arrêter de placer de nouvelles décorations. Ok. Arbuste charnu, petit arbuste, qu'est-ce que ça, ça lui va ou pas? Bah, il a l'air content, hein. Comment il est maintenant? Ah, on est remonté. Il manque encore d'arbustes, apparemment. Outre les animaux, chaque zoo a également d'autres attractions. N'oublie pas que les bâtiments qui comportent des attractions doivent se trouver au bord du chemin pour que les touristes puissent les utiliser. Je peux le mettre là, non? Ouais, ça a l'air de passer. Nickel. Chaque visiteur a ses propres souhaits que tu devras souvent planifier pour savoir ce que chaque touriste que s'attend à voir pendant la visite survole le curseur. Alors moi, je vais valider déjà ça. Ok. Lémurien. Alors, on n'a pas beaucoup de visiteurs, et en plus, c'est les mêmes. Lémurien. Jusque-là, on est bon, hein. Ils ont ce qu'ils veulent. Améliore ton zoo pour augmenter le prix des billets. C'est le moyen le plus simple d'augmenter les revenus de ton zoo. Enfin, avec une bébête, comment vous dire? Ça me semble pas forcément le moment, mais bon. Alors là, on a quoi? Prix réduit, diminue les revenus, augmente la réputation. Prix par défaut. Prix élevé. Compléter. Alors, attendez. On va fermer tout ça déjà. Fermer, fermer. Tu vas maintenant te familiariser avec les outils plus avancés du mode construction. Commence par mettre en place 3 nouvelles décorations. Alors, c'est là. Je suppose que c'est dehors cette fois. Hein. Compléter. Maintenant, teste le bulldozer. Tu peux cliquer ou sélectionner la zone où les objets seront détruits. C'est où? Ah là, pardon. Ok. Tu peux aussi annuler les modifications. Contrairement à la destruction de clés, cette opération rend tous les fonds dépensés. Ok. Si tu annules trop de modifications, tu peux les refaire. Teste la fonction rétablir. Enfin, si tu veux annuler toutes les modifications que tu as faites, tu peux arrêter le mode construction. Essaye. Et là, je fais arrêter. Ok. Non? Oui? Suis-je bête? Tu peux suivre l'état de votre zoo. Oui, de votre zoo sur l'écran des statistiques. Vérifie. Alors, on voit l'expérience, la popularité, on voit le nombre de touristes, les nombres de mois. Je suis toujours sur Play, oui. La valeur du zoo, les nombres d'espèces uniques, nombre d'animaux, salariés, décorations, bâtiments, l'argent gagné, l'argent dépensé. Ah, et sacré, c'est pas mal niveau statistique, il y a pas mal de choses. Hein. Ok, c'est tout bon. N'oublie pas que tu peux toujours utiliser le bouton aide si tu as besoin d'une aide spécifique. On va mettre jeu par exemple. Regarde. Ok. Très bien. Niveau supérieur. Maintenant que tu connais les bases, tu peux débloquer une autre carte. Oh, classe! Il est temps de commencer à s'amuser, entrer dans le prochain zoo. Oh, celui-là, on l'abandonne. Mon petit lémurien, il sera à tout jamais tout seul. Bah, écoutez, on va aller juste checker vite fait quand même l'autre zoo. Valider. Juste pour voir un peu les environs. Alors du coup, là, on a les 3 étoiles ici sur celui-ci. Et là, on est au pays des stages. Chaque expert a fait ses premiers pas. Tu as la chance de les faire dans un pays sympathique et pittoresque. J'ai pas fait attention au début du jeu s'il y avait un mode bac à sable. La formation est terminée, c'est le moment de faire un stage. J'ai l'impression que tout est encore devant moi. Je ne sais toujours pas comment cela s'est passé, mais ils ont accepté de me céder un terrain. Ils surveillent toujours chacun de mes mouvements, mais la plupart ne dépendent que de mon appel. De plus, un invité spécial va me rendre visite. Il est temps de montrer à tous ce que je sais faire. Ça ne stresse pas du tout, parce que alors, comment dire ? On va rester encore 2 minutes sur celui-ci. Les décorations affectent les animaux et rendent ton zoo plus beau. Possède 2 fois arbustes époustouflants. Ok. Du coup, on va là. Arbustes époustouflants. J'ai vraiment lu ça, en fait. Je suis en train de me dire, parce que... Ah oui, c'est ça. Je vais les placer près de l'entrée. Oh, on valide. Ensuite, là, il n'y a rien. Il est important d'avoir de nombreuses espèces d'animaux différentes. Possède 2 lémuriens. On va faire notre premier enclos, cette fois pour de vrai. Je pense le mettre par là. On va l'éloigner, on a vu que c'était pratique en fait. Je voudrais l'agrandir moi en fait. Hop. On est pas mal. On avait dit que le lémurien, il lui fallait de l'herbe. Tant qu'à faire, autant lui préparer son terrain avant qu'il arrive. J'avais mis, je sais plus lesquels. Ça, je vais peut-être regarder une fois qu'il sera là. Alors, attendez, parce qu'il ne faut pas que je me perde. Comment rechercher les animaux? Il faut que je sorte du mode là. L'enceinte est inaccessible pour les employés. Ah oui, oups, j'ai oublié de mettre la petite maison. Et il faut que je fasse accessoirement un chemin aussi. Comment je faisais le chemin? Alors, les animaux, c'est là. J'en ai pas. Il y avait un, c'est ici. L'anglais, il est là. Hop. Et hop. Là, on va embaucher Elisabeth. On va la payer plusieurs jours à l'avance. Les animaux ont l'intention de créer leur propre version miniature. Assure-toi que leurs statistiques sont supérieures à 80. Alors, au niveau de l'herbe, c'est OK. Il me faut des arbres, du coup. Je sais plus lesquels j'avais mis tout à l'heure. Ah bah non, ils n'aiment pas. Ça non plus. Ça, ils aimaient. Hein. Là, on est bon. On peut valider ça. Alors, il en manque encore des arbustes au final. Enfin, des arbres plutôt. Du coup, j'étais sur les arbustes comme ça? Non. Là, je pense qu'on doit être bon. Hein. Ouais, on est nickel. Du coup... On va leur commander à manger. Ouais. Madame, tu veux pas aller travailler? Non? Attendez, on va cliquer là-dessus. Il y a bien... C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de chemin, en fait. C'est en mode construction? Ouais. Là, je pense qu'on est bon. Je sais pas s'il faut que je relie à ici. Là, j'ai rien de spécial. Madame, il faut que tu ailles travailler. C'est parce qu'on est en pause. Ben oui, c'est bien ça le problème, hein, n'est-ce pas? Si je me mets en avance rapide... Ah, la dame, elle n'a pas l'air de vouloir travailler quand même. Hein. Voilà! Eh ben, c'était laborieux. Hein. Je me disais que c'était une chose que j'avais oublié de faire, ça c'était sûr. Maintenant, on devrait pouvoir tous les nourrir. Voilà, on peut la voir à l'œuvre. J'étais en pause, mais oui, on a testé les mods juste avant. C'est super sympa, je trouve. Franchement, si vous réfléchissez, faites pas de bêtises comme moi. Franchement, le jeu est vraiment sympa. J'aime beaucoup graphiquement et ça a l'air de prendre pas mal de belles choses. Du coup, j'espère que cette petite découverte vous aura tout simplement plu. Moi, j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Il y a plein de choses à retenir, mais bon, ça prendra du temps un petit peu. Comme ce genre de jeu, de toute façon, on est toujours obligé de s'impliquer un petit peu au début pour saisir les bases. Donc, je vous remercie d'avance pour vos petits commentaires, vos pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.